2050. Moi, j'ai 64 ans. L'eau des océans, elle est montée d'à peu près un mètre. Donc un mètre, ça fait ça, grosso modo. Ça, c'est les prévisions basses du GIEC si jamais les accords de Paris sur le climat sont respectés. Can't anybody see? Ça a commencé par les lectures que j'ai faites sur les catastrophes climatiques et l'anxiété que ça a généré. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, là, quoi qu'on fasse, les températures, elles vont continuer à augmenter et puis les glaces, elles vont continuer à fondre. Et les espèces d'animaux qui ont disparu, a priori... Enfin, la frugalité, c'est pas facile pour moi, quoi. Comment est-ce que je peux me projeter dans un futur qui me donnerait envie, qui serait désirable? Comment dire? Je me suis pas démoralisée. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, tu peux trouver d'autres façons de t'adapter aux catastrophes climatiques. Et puis, j'ai lu un livre sur les sites et leurs rituels funéraires. Les sites, c'est une peuplade. Donc, ça veut dire que c'est un regroupement de plein de tribus qui vivaient au début de l'Antiquité. Tout ce qu'on sait d'eux, c'est grâce à leurs tombes. On sait maintenant qu'en fait, 42% de ces tombes de guerriers, c'était en fait des tombes de guerrières. Et là, j'ai eu une sorte de déclic. Je me suis dit, banco. Banco, vas-y, modèle de décroissance nomade. Tu pars dans les steppes, t'as ton sac à dos, qu'est-ce que tu prends? Je me suis dit, pense à quelque chose de sentimental, quelque chose qui te ferait du bien. Et donc, je me suis dit, bah, grippe. Je le montre à tout le monde. Voilà. C'est mon grippe, hein. Je l'ai appelé grippin Claude, pour pas trop l'anthropomorphiser non plus. How can it feel? Là, je vois un parking avec des carcasses de voitures rouillées parce qu'il y a eu le choc pétrolier. Donc maintenant, on n'en a plus besoin. De l'herbe séchée, avec parfois des tempêtes de poussière à cause de la sécheresse. Et avant, dans la région, on faisait pousser des céréales. Mais c'est une culture qui est particulièrement gourmande en eau. Les cultures qui sont le plus adaptées à la sécheresse, c'est les haricots et les fèves. Donc moi, je bois plus de bière. Et je mange plus de pain. Le pigeon, le rat, les punaises, les cafards et les moustiques. Voilà, donc ça c'est les espèces avec lesquelles on est sûr de partager notre monde pendant encore plusieurs siècles. Bon, alors, je suis pas très fan, mais je me suis dit que j'allais devoir faire des efforts, et puis que je pouvais le faire. Oh, can't anybody see?